Après avoir placé son mandat sur le sceau des actions communautaires pour être plus proche des populations de Luandili 1, sa circonscription électorale, Anatole Kouliné Makossou s'est lancé dans la phase de concrétisation de ses promesses de campagne à l'endroit de ses mandants. Parmi elles, la prise en charge de la confection des tenues scolaires pour les enfants de Luandili 1 avec l'implantation d'un atelier de couture au quartier Nkwiku. Lors de campagne, le ministre avait tenu bon sa parole. Il avait dit aux électeurs, aux futurs électeurs, que une fois que je suis élu, sachez bien que je vous apporterai ce qu'il faut, notamment les tenues scolaires, cahiers et autres. À ce jour, près de 900 tenues ont été confectionnées pour les enfants de cette circonscription, au grand soulagement des parents. Fred Makita, coordonnateur du club des amis d'Anatole Kouliné Makossou, apprécie le geste. Chose promise, chose due, il a réalisé sa promesse, la télé est là. Il avait donné le don de tenues scolaires, 1500 tenues à Balou-Coston, 500 tenues à Saint-Kizito. Et cela fait 2 semaines que les parents viennent avec les tissus de tenues de leurs enfants. On confectionne ça ici. Aujourd'hui, nous sommes autour de 900 et quelques tenues déjà. Il s'est signalé que cet atelier de couture implanté il y a à peine 2 semaines à l'initiative d'Anatole Kouliné Makossou avec la collaboration de sa suppléante Suzanne Kabaveli vient de générer l'emploi pour ces jeunes couturières à l'œuvre, dont Iviki Ouou, qui d'ailleurs n'a pas caché sa satisfaction. Il a fait aussi un don qui est vraiment génial, extraordinaire. De tout ce qu'il est en train de faire, c'est mieux qu'il continue encore de faire et de nous aider. Des gens qui n'ont pas d'argent pour acheter des machines, de venir, je peux dire chez des autres qui ont appris, qui sont seulement à la maison, qui ne font rien, de venir ici, de venir apprendre parce qu'ici c'est gratuit. La participation à la vie de ces mandants à travers des actions sociales permet ainsi à Anatole Kouliné Makossou de maintenir la confiance entre lui et les populations de sa circonscription électorale, dont le souhait reste la pérennisation de ses actions.